Voilà, faut que ton regard il soit ici, là, à l'angle. C'est ta référence. Là, maintenant, tu prends la truelle et tu coupes le mortier pour voir si déjà c'est bon. Voilà, mets le mortier tout le long. Là, pareil ici. Et là, regarde, il y a un truc qui est super simple. C'est que tu prends ta truelle et tu regardes comme ça, toi, ta truelle. Si elle guenille pas, ça veut dire que c'est bon. Voilà, un petit peu. Parfait. Ok, là maintenant tu prends ta massette, ton fil à plomb, et tu plombes les deux côtés. Sur lui-même, et après jusqu'en bas. Sur lui-même, et après jusqu'en bas. Tu te mets à l'intérieur et tu peux y aller. Extérieur. Voilà. Donne-lui la massette, il doit se débrouiller tout seul. Avec ses deux mains. Là, ça touche. Là, je relève le. Non. Là, tu n'es pas d'aplomb. Est-ce que tu es d'aplomb? Non. Ah oui. Non. Alors, ça touche ici, ça touche là. Mais tu es penché comme ça. Tu as du fruit. Donc, laisse-toi du jour. Attends, tu te laisses du jour. Voilà. La tête, elle doit arriver là, ici, où il y a le chat. Donc là, tu dois taper ici. Ok? Voilà, faut que tu le ramènes. T'es d'aplomb ou pas? Oui. Ok, sauf que maintenant, mets-toi jusqu'en bas, le plomb en bas, le chat en haut. Voilà. Allez, plaque. Sors un peu le chat. Donc là, il faut que tu le pousses, donc tu tapes là, pour pousser. Mets-toi bon le chat, mets-toi contre. Allez, on est bon. Donc là, cette face, elle est bonne. Maintenant, tu plombes sur lui-même et après, tu plombes à la référence à l'angle.